6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Israël évoque la mobilisation de ses réservistes, 360 000 selon Netanyahou qui fanfaronne, alors que sur le terrain, la réalité est tout autre. Les citoyens israéliens ont beau être entraînés, leur désarroi est aujourd'hui total et n'ont plus confiance dans une armée, dans des centaines de ces éléments pris en otage par les commandos du Hamas. Netanyahou a voulu mobiliser tous les citoyens qui ont fait leur service militaire, lequel dure 24 mois pour les femmes, 32 pour les hommes, et jusqu'à 48 pour ceux qui ont le grade d'officier. Des officiers qui, en vérité, ont passé toute leur carrière à larguer des bombes plutôt que de se battre sur les fronts. Autrement dit, ces spécialistes du pilonnage ont peur d'affronter les 30 000 combattants du Hamas depuis que ce dernier a lancé son opération « Déluge de l'Aqsa ». L'armée dite la plus puissante du Moyen-Orient a recours à ses réservistes espérant éliminer les commandos du Hamas. Et en plus de tout ce désordre, Netanyahou a d'autres soucis. 100 000 de ses réservistes manquent à l'appel et ils refusent tout simplement d'aller se battre. Pour justifier leur refus, ces réservistes se plaignent du manque d'équipements comme les gilets pare-balles ou encore les casques de protection. Autre gros souci pour Netanyahou, l'absence de son fils, qui, au lieu de répondre à l'appel des réservistes, en est allé piquer une tête à Miami. Résultat, très grosse colère à Tel Aviv. Netanyahou ne peut pas non plus compter sur les juifs ultra-orthodoxes dispensés du service militaire et qui refusent tout simplement de servir Israël. Autre gros souci pour Netanyahou et son cabinet, depuis 2 semaines, l'armée israélienne compte des désertions en masse et une dizaine de cas de suicides dans ses rangs. Le gouvernement n'a apparemment pas retenu la leçon de la révolte inédite des réservistes de l'armée en masse dernier, révolte précédée par la mutinerie de 3000 officiers supérieurs. L'armée israélienne n'a jamais connu une telle jacquerie. Des centaines d'anciens pilotes de l'armée de l'air et d'ex-membres du Mossad s'étaient insurgés contre la réforme de la justice visant à libérer l'exécutif de toute supervision judiciaire indépendante. Là, ils reviennent à la charge pour dénoncer une opération terrestre qui risque, disent-ils, de tuer des centaines d'otages retenus par les commandos du Hamas. Bref, ce n'est certainement pas avec ses réservistes que Netanyahou pourra remporter la partie, même si en réalité il compte plus sur les généraux américains déjà aux commandes que sur ses propres bataillons pour conduire la bataille contre Gaza.